Son père s'est attaché à lui, lui a donné une bonne éducation et il a pu, dès l'âge de 7 ans, venir étudier en France, hexagonale, et il s'est très rapidement distingué par son talent. Au niveau où il était, il passait pour le meilleur escrimeur d'Europe. Personne n'aurait osé se mesurer à lui au cas où on aurait accepté un duel. On peut même se demander si, au fond, il n'a pas pratiqué l'escrime à très haut niveau pour pouvoir tout simplement être tranquillement un musicien. D'ailleurs, il n'y a pas forcément de contradiction entre la manière dont on tient un fleuret et la manière dont on tient un archet. Il était, quand on voit certaines de ses partitions, très bon instrumentiste, parce que c'est difficile à jouer. Je pense notamment à ses sonates pour deux violons qui sont inédites, mais qui sont un bel exemple de sa virtuosité. Comme les grands compositeurs, il est inclassable. Les quatuors de Saint-Georges sont extrêmement intéressants et méritent une attention toute particulière. Alexandre Dumas parle de lui, alors l'histoire est évidemment très rocambolesque. Il patine sur le grand canal de Versailles qui est gelé et il écrit quelque chose avec ses patins à glace pour avertir d'un danger. Donc on lui a prêté beaucoup de choses, on a dit qu'il pouvait traverser la Seine avec une main dans le dos et toutes sortes d'exploits sportifs. Je ne sais pas vraiment ce qu'il en est, mais on peut imaginer quelqu'un qui était très sportif. Et qui excellait dans beaucoup d'arts. C'est un personnage à la mode et en même temps, c'est un personnage qui dérange et qui n'est pas vraiment accepté. Il y a beaucoup de raisons qui expliquent la relative méconnaissance de Saint-Georges. Chez les mélomanes, on ne l'a jamais oublié, il a toujours été mentionné dans les ouvrages savants comme comme faisant partie indiscutablement de l'école française de violon. Il a été davantage du grand public, peut-être parce qu'on n'a pas assez joué. Probablement, il y a eu un relatif désintérêt du fait de ses origines, parce qu'au 19e siècle, au 20e siècle, dans une moindre mesure, c'est vrai que le préjugé de couleur régnait. Alors on a parlé du Mozart noir, moi je m'inscris complètement en faux par rapport à cette vision racialiste des uns et des autres. La musique n'a pas de couleur, la musique c'est la musique, la couleur c'est pour les yeux, la musique c'est pour les oreilles et pour l'esprit, surtout pour l'esprit. Et je pense que tout naturellement, la qualité de ses compositions fait qu'il reviendra dans le répertoire. C'est une musique très originale et qu'il classe vraiment à part et mérite d'être salué, non pas comme un phénomène de foire, si j'ose dire, mais simplement comme
un musicien, c'est ce qu'il aurait, je pense, aimé être, tout simplement, indépendamment de sa couleur, de ses origines et puis de ses exploits sportifs, en tout cas des exploits qu'on lui prête.